Ça, ce sont les derniers livres qui n'ont pas pu rentrer dans la pile à lire, puisque la pile à lire déborde. Donc, effectivement, le challenge, pas la moitié, va être apprécié en 2024. C'est plus possible. Il faut que... Voilà, je ferai une photo avant et je ferai une photo après, parce que c'est pas possible. Hello du vendredi 22 décembre, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, le 23. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est le dernier jour de travail avant 10 jours de vacances. Bien contente, bien qu'on sache que les vacances de Noël ne sont pas forcément les vacances les plus reposantes, j'espère. En tout cas, de mon côté, je sais que je vais faire le minimum, je vais essayer de profiter de ces vacances en famille, de passer du bon temps avec ma famille. Et la famille, enfin toute la famille quoi, voilà, les amis aussi si on a l'occasion de les voir, donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui dernière journée avant, et donc du coup j'ai du travail devant l'ordinateur, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère parce que j'aime bien bouger un peu. Donc là je me suis dit, alors le truc c'est qu'il pleut, donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais s'il s'arrête de pleuvoir, à 11h, je sors faire une petite balade. Et mon objectif, il est où mon bouquin? Oh, attendez. Ah si, il est là. Je les ai changés de côté. Mon objectif du jour, c'est de terminer ma cousine Rachel. J'en suis à la page 264. Et j'ai un peu plus de 100 pages à terminer. Mais j'adore. Donc voilà, c'est mon objectif du jour, c'est de terminer ce roman. Je ne suis là, je lis plus. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup lu les derniers jours parce que j'ai pas eu de temps vraiment pour lire. J'ai lu juste des mangas dont je peux vous parler ce matin, comme ça, là, comme ça. J'en ai lu deux. Donc c'est Shadows House de Somato. Alors Somato, je me demande si c'est pas le nom de trois personnes parce qu'il y a des tirets entre. C'est édité chez Glénat. J'ai lu le 1 et le 2 et j'aimerais bien lire aujourd'hui ou demain le 3. Ça, c'est ce que je voudrais faire aussi. Alors, c'est un manga. Je l'ai pris vraiment dans le genre horrifique, gothique surtout, avec une petite part d'horrifique. C'est exactement ça. On est dans un manoir. On se réveille avec une jeune fille, Emiliko. Voilà. Emiliko, c'est... cette jeune fille, qui en fait n'est pas une jeune fille, c'est une poupée vivante qui est censée être dans l'ombre de cette jeune femme de Sui, dont on n'aperçoit pas le visage. Cette jeune femme de Sui, au début on n'est que dans un huis clos avec toutes les deux, elle est poupée vivante est au service de cette jeune femme qui s'appelle Kate, qui en fait est vraiment... un personnage de Sui, c'est-à-dire que tous les jours, elle évacue de la Sui, surtout quand elle est en colère, énervée, perturbée, de la Sui s'émane d'elle. Et donc, Emiliko est dans sa chambre et nettoie sans cesse. Ensuite, elle va dormir. Petit à petit, on se rend compte qu'il va y avoir une présentation de cette poupée qui est tout juste née, entre guillemets, et qui doit être officialisée. On ne sait pas qui l'a créée au départ, et je ne vais pas forcément vous dire, parce que c'est un peu l'intérêt de ce manga. Le premier volume m'a laissé un peu sur... voilà, j'avais vraiment envie de savoir quels étaient les tenants et les aboutissants de cette histoire. Le second apporte des réponses et est beaucoup plus intéressant selon moi. Voilà, on commence à comprendre qu'elle n'est pas seule, que sa maîtresse n'est pas seule non plus. Et on se pose des questions sur bah, qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qui se passe? Qui les a créés? Et dans quel but? Voilà. La maison est attaquée aussi par des personnages un peu étranges. Bon, bref, je vais lire le troisième. Je sens que potentiellement, ça peut vraiment être bien. On a un côté un peu... vraiment, c'est vraiment gothique. Et il y a un côté un peu horrifique parce qu'il y a des personnages... On rencontre des personnages qui, tout d'un coup, n'ont pas du tout la même attitude. Qui ont des attitudes différentes parfois... dérangeante. Donc on se pose des questions.
il y a un côté quand même un peu horreur, quoi. De toute façon, dans le gothique, il y a un côté un peu horreur, inquiétant du moins. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Les dessins sont, bon, c'est pas génialissime selon moi, mais c'est mignon. Voilà. Le personnage de Kate, au début, Emilico essaie de trouver à quoi elle peut ressembler, quoi, si elle peut lui ressembler ou non. Et elle aimerait voir son trait de visage, et en fait, elle ne peut pas. Donc, le personnage de Kate est intéressant, mais on aimerait bien savoir plus sur elle. Surtout qu'on sent petit à petit qu'elle élève, entre guillemets, sa poupée autrement que les autres. Bref, je ne vous en dis pas plus que ça, parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais c'était vraiment, vraiment chouette. Si vous voulez vraiment une ambiance gothique dans un manoir avec un côté fantastique... On y est, et cette Emilico, elle est mignonne. Hein. Puis il y a un côté un peu pur, un peu déluré, qui est plutôt, plutôt sympa. Voilà. Alors, j'ai des choses qui sont arrivées, je filme ce matin, en fait, il est pas encore, il est 8h40. J'ai reçu hier, en fait, je suis arrivée hier matin, je sais plus, il y avait un colis sur la table tout mouillé. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai tout reçu, en fait, de mes colis. Je comprenais pas ce que c'était. J'ouvre. Je me suis dit, alors, en plus, il est mouillé. C'est pas cool si c'est un bouquin et tout. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ça. Qui sont des cadeaux. Et de Anne-Marie. Donc, Anne-Marie, je te fais des gros bisous. Hier, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je vais t'envoyer un message aujourd'hui. Elle me fait des petits cadeaux assez souvent. Et c'est trop mignon. Alors, je ne veux pas trop lire. Mais voilà, donc elle m'a fait deux cadeaux qui ont l'air d'être des livres. voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Je vais les ouvrir... Oh, si. Allez, on les ouvre tout de suite. Comme ça, ça sera mon petit bonheur du matin avant de bosser. Je me demande bien ce qu'elle m'a choisi. À chaque fois, elle me choisit des trucs chouettes. Donc là, j'ai hâte de voir. En plus, je dois récupérer le sachet. C'est trop cool. C'est petit, c'est un poche. Je peux pas vous dire plus parce qu'avec un livre, on peut pas. Il n'y a rien sur la couverture. Salut, moi c'est le temps. De Scal. Alors je ne connais pas du tout. Ah mais ça a l'air chouette. C'est une structure, une écriture et une structure un peu particulière de récit. Je vais vous lire derrière. Le temps, celui des durées, des rythmes, celui des horloges, des étoiles, celui de la vitesse, de la patience, celui de la vie, de l'univers. Tu as toujours rêvé d'avoir une discussion avec moi? Tu sais quoi? Moi aussi. Alors je t'ai écrit ce livre. J'avoue, j'y parle beaucoup de toi, mais je te livrerai aussi quelques-uns de mes secrets. Je crois que c'est comme ça qu'on devient amis. Moi, c'est le temps. Enchantée. Ah non, mais c'est trop bien! C'est un court récit... Ça a l'air d'être un peu... je sais pas. J'ai du mal à le qualifier. Alors, attendez. Je vais regarder le début. Partie 1, l'insouciance. Bref, je suis intriguée. Je veux savoir ce que c'est. Je vais le lire. C'est trop bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vais t'envoyer un petit message et peut-être tu m'en diras un peu plus. Et le second est un peu plus gros. Je l'ai senti. Et ça m'a l'air d'être un poche aussi. Oui, c'est un poche aussi. Mais je ne connais pas du tout, du tout. Suzanne Abulawa, Les Matins de Jénine. Je ne sais pas. Elle est américaine. Suzanne Abulawa. Avec un nom comme ça, elle est peut-être d'origine étrangère. Je ne sais pas, il faudra que j'aille voir. Comme son père et comme le père de son père, Hassan vit de la culture des olives dans le petit village palestinien d'Ein Hod. Mais en 48, lors du conflit qui suit la création de l'État d'Israël, Ein Hod est détruit et ses habitants conduits vers un camp de réfugiés. Pour Hassan, cet exil s'accompagne de la douleur de voir l'ancestral cycle familial brisé à jamais. Son jeune fils Ismaël a été enlevé par des Israéliens qui lui cacheront ses origines. L'aîné Youssef grandira dans la haine des Juifs, prêt à toutes les extrémités. Quant à Amal, sa fille, elle tentera sa chance aux États-Unis, inconsolable cependant d'avoir fui les siens.
La guerre les a séparés. Elle seule pourra les réunir. Ça a l'air vraiment super chouette. Je ne sais pas du tout. Le roman fait à peu près 400 pages. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Si tu me l'as partagé, c'est que toi, tu as dû le lire et que ça t'a plu. Donc, j'ai très, très hâte. Merci, merci, merci. Gros bisous, c'est trop gentil. Je suis gâtée. J'adore quand on me fait des surprises de bouquins. Tu veux pas savoir comme ça me fait plaisir. Hein, tu le sais. Mais c'est trop gentil. Merci, Anne-Marie. À chaque fois, c'est très touchant. Et Sylvette m'a offert celui-ci, je vous l'ai montré rapidement. Donc, c'est Deacon King Kong de James McBride, édité chez Gallmeister, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, je ne connais pas du tout. Donc, James McBride, c'est ce charmant jeune homme. On dit jeune homme, il a 10 ans de plus que moi, 11 ans de plus que moi. Il est écrivain, scénariste, compositeur et musicien de jazz. Et il a publié son premier livre en 1995, La couleur de l'eau. Non, non. Ouais, franchement, j'ai hâte de découvrir sa plume. Je vais juste vous lire le début. C'est officiel, le vieux Sportcoat a pété les plombs comme ça en plein jour devant tout le monde. Personne ne sait pourquoi ce diacre râleur, adepte du King Kong, le torboyau local, a tenté de descendre sans sommation le pire dealer du quartier. Mais il faut dire que la fin des années 1960 est une époque d'effervescence à New York et que le développement du trafic de stupéfiants n'est pas la moindre des causes d'agitation. Afro-américains, latinos, mafieux locaux, paroissiens de l'église des Five Hands, flics du secteur, tout le quartier est affecté par ce nouveau fléau aux conséquences imprévisibles. Voilà, en fait, il y a certainement une partie autobiographique de son enfance, apparemment. Voilà. Donc moi, j'ai très très hâte de découvrir aussi. Et potentiellement, je pense que ça peut me plaire. Celui-ci fait un peu plus de 500 pages. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est une belle bête. Donc j'ai été gâtée. J'ai été vraiment gâtée. Et c'est trop cool. Donc je vous ai oublié la dernière fois, mais aujourd'hui, on va faire le tirage au sort pour Lavinia. Vous avez été plusieurs à envoyer, vous avez été pas mal d'ailleurs à commenter la vidéo. Donc je vais tirer au sort tout à l'heure. Et comme ça, par contre, je vous le ferai parvenir, je pense, la première semaine. Parce que là, j'ai pas envie d'aller à la poste demain parce que je n'arrête pas d'aller à la poste. Donc j'espère que vous ne voudrez pas. Mais ça me laissera le temps de vous préparer une petite chose. Parce que samedi, je vais faire de la couture. Je pense faire une petite pochette à livres pour ce livre. Et mettre un petit marqueur et tout ça avec. Donc on fera le tirage au sort tout à l'heure. Faites-moi penser. Je vais l'écrire. Sinon, je vais oublier. Je sens. Voilà. Donc pour le moment, je vous laisse là pour ce début de matinée avec 12 minutes de blabla déjà. Et on se retrouve tout à l'heure. Comme je veux lire ma cousine Rachel, je souhaiterais faire des pauses lecture aujourd'hui, genre toutes les 2 heures. Ce sera pas une pause cigarette, ça sera une pause lecture. Je lirai pendant 10 minutes, quoi. Donc soit pendant une balade, s'il s'arrête de pleuvoir, ça serait cool. Soit sinon, tranquillou, chez moi, avec un petit thé ou je ne sais pas. Faire vraiment des moments lecture pour finir ce roman qui, vous allez le voir si je le termine aujourd'hui, est un coup de cœur. Pour le moment, c'en est un. Donc chaque page est un vrai plaisir de lecture. Je suis totalement conquise. L'année prochaine sera certainement une année de découverte un peu plus intense de la plume de Daphné du Maurier. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on en reparle. J'espère que mon sentiment ne va pas changer dans la journée. Je vous tiendrai au courant. Ça peut être sympa aujourd'hui de se retrouver petit à petit pour un petit focus sur ce que je ressens dans ma lecture de ma cousine Rachel. Je vous retrouve un peu plus tard. Bon, il est 11h01. Il s'est un tout petit peu arrêté de pleuvoir. Donc je vais peut-être sortir un peu avec mon bouquin. Ça me ferait pas de mal. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur d'avoir froid. Je suis un peu la flemme. Donc du coup, je vais peut-être bouquiner avec mon chat là-haut. Oui, je sais, je fais ma flemmasse aujourd'hui. J'ai le droit, hein, on va dire. Donc je vais peut-être aller bouquiner là-haut. Je termine un truc à faire au boulot et je prends mon bouquin et je lis un chapitre ou deux. En fonction du temps, j'essaie de me mettre 10 minutes, 12 max, de pause. Parce que j'en ai bien le droit. Voilà. Salut mon chien.
N'aie pas peur, mon chéri, n'aie pas peur. Je vais juste me poser pour qu'il m'ait un peu. Alors. Ok, petite pause terminée, c'était bien agréable avec mon chat. J'étais en train de regarder, vous savez, par rapport au challenge que je vais mettre en place et que j'ai commencé en décembre, je lis 10 livres et le 10e en fait est un livre que je pioche à hasard dans ma pile à lire. Je vais retourner la caméra, je vous montre. Donc je vous montre, je déplie pour que vous voyez. Donc je l'ai mis en place à ce moment-là, donc... Là, par exemple, il y a eu Alpi the Soul Sender qui a été tiré au sort. Puis ensuite, j'ai noté les livres que j'ai achetés. Donc là, il y en a eu d'autres. Et c'est ma cousine Rachel qui a été tirée au sort. Donc ça, je masque parce que j'en suis là. Et donc ça, c'est le numéro 10. Donc j'ai acheté ces trois-là. Donc je les ai reçus. Donc on va les passer dans une autre couleur. Et donc, il y a la confiserie de Rosie, en fait. Il était dans la pile à lire. Et puis je l'ai rendu, donc j'ai commencé à l'écouter, je l'ai rendu. Donc pour moi c'est comme si j'avais abandonné un livre et je compte les livres abandonnés ici, puisqu'ils sortent de ma pile à lire. Donc là j'ai lu Shadows House, je vous en ai parlé, le tome 1 et le tome 2. Ici je mets un petit récap en haut là, mes livres en cours, par genre, voilà. Et donc là il faut que je pioche dans ma pile à lire, donc on va aller voir. Là, on est sur Livre Addict. Vous avez les livres en cours. Là, c'est quand je suis sur mon profil. Vous avez mes lectures en cours. Là, vous avez les derniers livres lus. Et la pile à lire est ici. À ce jour, elle est à 338 livres. Et on peut faire un livre au hasard. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est un livre que je vais emmener avec moi en vacances. Donc, c'est parti, à moins que ce soit une BD que je puisse la lire rapidement. C'est parti. Oh, trop cool, Sylvette, regarde. 10 petits anarchistes. Trop bien. Donc, c'est celui-là qui va partir avec moi. En plus, il n'est pas long, donc c'est très bien. 160 pages. Donc, je vais de ce pas coller... En même temps, à mon avis, je serai contente à chaque fois parce que c'est toujours des livres de ma pile à lire. Donc, comme ils sont dans ma pile à lire, ça veut dire que j'ai envie de les lire, tout simplement. Donc, je vais devoir le lire. Alors, pour le moment, on va le mettre dans la même couleur, en rose. En orange, c'est ceux qui sont en cours, parce que là, celui-là, il est en cours, mais de toute façon, ça va aller, quoi. Hein, il n'y a pas de souci. Celui-là, je vais le lire... alors, c'est pas le même rose, hein, ça me gêne. Donc je vais pouvoir le lire rapidement et dès que j'aurai rentré un livre lu ici, je me permettrai d'acheter trois romans et ça je le ferai peut-être pendant les vacances, quoi. Je me les laisse pour les vacances et voilà, c'est cool. Bon, en ce début d'après-midi, j'ai un petit peu froid à chaque fois quand je bouge pas. Je vais vous montrer les cadeaux du jour parce que j'en ai deux. L'officiel, à chaque fois je vous montre à l'envers, hein. Ça va vous manquer après. Et celui qui est non officiel. On va commencer par le non officiel parce qu'il est plus petit. J'aime bien les petits romans. Mais je l'ai acheté deux fois. Mais je te jure, je voulais vraiment le livre. Mais ça, j'adore parce que ça rentre pas dans ma pile à lire. Je vais voir lequel je garde des deux. Je vous le montre pas parce que la dame, elle est à poil. Allez, je vous le montre, mais... Je l'ai déjà, Eve.
Mais c'est pas possible, hein. Comme quoi, j'ai vraiment une mémoire d'escargot. C'est pas grave, il est très très beau. Et si je l'ai en double, à un moment, je le vous ferai gagner. Et puis, ça sera cool. Mais il faut que je vérifie, mais je suis quasiment persuadée de l'avoir déjà mis. Exactement dans la même collection, en plus. Et l'officiel. Celui-là, normalement, remarque, pas sûr. Hein. Ça se trouve, c'est un doublon. Ce serait rigolo. Attention! Cool. J'en ai tellement entendu parler cette année. Tout le monde me dit, ouais, il faut que tu le lises, c'est vachement bien, l'île 2, il est vachement bien. Voilà, il est là, Hamnet de Maggie O'Farrell. Pour certains, ça fait partie de leur coup de cœur de découverte de plumes. Il est très beau en plus. Hein. C'est une occasion, mais il est très beau. Voilà, donc j'en ai plusieurs du coup de Maggie O'Farrell dans ma pile à lire dorénavant, mais je vais commencer certainement par celui-là. Cette couverture est tellement belle, elle brille. Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau, Hamnet, part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la maison. Agnès, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales dans les champs alentours. Leur père est à Londres pour son travail. Tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Voilà. Cool, quand même. De bons choix de lecture, je suis certaine. Et hâte de découvrir ces deux plumes que je ne connais pas. Donc, voilà. Et là, je vais faire le tirage au sort pour vous faire gagner donc Lavinia de Ursula Le Guin, ici, dans la collection de je ne sais pas quoi. Les classiques de l'imaginaire. Et on est chez La Talente. Voilà. Donc, il est très beau. Et il y a combien de commentaires? J'ai 21 commentaires. Donc, je vais faire un tirage au sort. C'est parti pour tirage au sort sur 21 commentaires. Plouf, 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 plouf. C'est le numéro 13. Alors, le numéro 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, le numéro 13 ne me dit pas si elle participe. Elle ne me dit pas. Donc, je vais refaire plouf plouf. Refaire. Un, deux, trois. Non plus, elle me dit pas. Huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. PGA7024. Oh là là, moi je suis intéressée par le livre, signé Pascal. Eh bien écoute, Pascal, félicitations, tu as gagné ce livre. Je vais te laisser m'envoyer ton adresse. Je vais mettre mon adresse mail en dessous. Et tu vas m'envoyer ton adresse postale ainsi que ton adresse mail et ton numéro de téléphone perso. Hein, tu mets c'est juste pour envoyer en colissimo. Et dès que je rentre de vacances, je te prépare un petit colis. Et je serais bien contente que tu me dises ce que tu penses de Lavinia. Et je vous remercie pour tous vos commentaires et voilà, pour tous nos échanges qu'on a en commentaire sous mes vidéos. C'est toujours très enrichissant. Vous partagez souvent beaucoup, beaucoup de livres qui vous ont plu, qui pourraient me plaire. Et c'est vraiment adorable. Donc, des merci pour ça. Et sur ce, je retourne à mon travail et on se retrouve un peu plus tard pour vous dire que je suis en vacances. Mais là, pour le moment, je ne suis pas en vacances. Donc, pour le moment, non. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Bye bye.
Je viens de bâiller. Il est 18h et je suis en vacances et je suis HS. Voilà. J'ai le droit de le dire. J'ai imprimé mon export livre addict. Et donc, je vais checker, je pense, ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis. Pas aujourd'hui parce que là, je suis trop fatiguée. Mais demain, peut-être. Et donc là, je suis installée pour bouquiner avec mon tricot, mon livre. Et je dois ressortir à 7h moins le quart pour aller chercher mon homme qui a trop de choses à ramener. Ah, mais j'ai mon chat qui arrive. Et donc, du coup, là, je vais bouquiner. Je vais peut-être même pas tricoter parce qu'il y a mon chat qui est là. On va câliner. Ça sera très bien. J'ai 3/4 d'heure. Donc, je vais essayer d'avancer un peu sur ma lecture. Je ne sais pas m'endormir non plus. C'est qui s'installe, vous voyez. Hop. Un bisou. Brrr. Miaou. Bah oui, miaou. Miaou. Bon, mon chat et moi, on vous laisse, on va bouquiner. Attends, tu te mets n'importe comment là. Comme ça, voilà. Tu bouges pas.